été sollicité par certains habitants de votre quartier qui ont souhaité justement s'approprier un petit peu le mur. Non, donc il est à l'origine un petit peu du projet PSN. Avec lui, la participation de d'autres jeunes qui habitent le quartier. C'est ça, même si c'est notre. Donc du coup, voilà, c'est... Ça va être bien, franchement, parce que le mur là, ça va être bien de faire un joli truc et tout, au quartier. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter donc l'ensemble du projet qui va se dérouler sur 3 mois et également de recueillir un petit peu vos idées sur concrètement qu'est-ce que vous voulez faire apparaître sur ce mur-là. Un coucher du soleil. La montagne en dégradant avec des sapins qui en bas à là, et puis les chemins, les gens. Il faut afficher le plaisir. Respect, tolérance, ça c'est vrai. Respect, tolérance. Est-ce qu'il y a d'autres messages à faire passer du PSR. On peut dessiner le quartier du PSR. Avec une fontaine. Saint-Jean de la Fontaine. Saint-Jean. Et c'est joli. Saint-Jean. Une île déserte. Non, ou sinon le Mali. Le Sénégal. Vous avez une idée, vous, sur la fête, sur le dessin que vous aimeriez voir en rencontrant vous. Je vous en dis quelque chose, mais ça serait bien que ça soit comment Calmarie, l'évolution. C'est bien de voir des gens comme ça. Comment vous dire qu'ils sont tous les plus sujets, du plus ancien au plus petit, tout ça. Le mur des ponts. Tout le monde va être content de ce qui va se passer, ça reste mon avis, parce que s'il n'y a que quelques personnes qui demandent un truc, c'est pas tout le monde qui va aimer. Premier temps de concertation qui a eu lieu le 8 avril, où là il y a eu à peu près une 60aine d'habitants, où on a souhaité recenser toutes leurs demandes. L'idée en fait c'était d'avoir une rétrospective sur le Damarinilis, l'ancien et le nouveau par rapport au programme de renouvellement urbain, avec un focus au centre sur ce quartier-là qui est le quartier du PSR. C'est eux, ils sont vraiment porteurs du projet. Le concept sera ça. C'est-à-dire que tout ce mur-là sera comme du papier peint. À l'intérieur, il y a des cadres où chaque cadre sera représenté une image, une photo. Donc l'ancien Clos Saint-Louis avec le nouveau Clos Saint-Louis par rapport au programme de rénovation urbaine. Ensuite, on se rapproche progressivement de la plaine du Lys avec la nouvelle place du 8 mai, l'ancienne place du 8 mai telle qu'elle était auparavant. Le quartier de la plaine du Lys tel qu'il était avant et qu'il est actuellement. Ensuite, on se rapproche tout doucement vers le centre-ville. Même concept, ancien et maintenant. Le quartier du PSR, point central de la fresque, avec un grand tableau qui représentera l'allée centrale qui est juste là devant. Ensuite, on se rapproche progressivement encore du centre-ville, l'abbaye du Lys, avec tout ce qui se passe vert, un peu de nature, un peu de montagne, tout ça mélangé de manière à ce que tout le monde puisse se retrouver, chacun au milieu de leurs idées. On va commencer par là. Ouais, il m'a dit 9h30 hier. Donc pour avancer sur un bon rythme, il faut bien charger le rouleau partout. Tiens, attends l'air. Plus à la verticale. Hein? 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 H
Il va faire un nuancier pour garder une demi-lampe de blanc, mais pour le travailler quand même de manière à faire ou un ombrage ou un relief en fait. Il y en a, ils sont professionnels hein. Allez le bleu. Allez le Sénégal. Après il reste encore un gros boulot pour remplir toutes les esquisses dans les cases, les proportionner. Et après avec les autres peintres, il va falloir qu'ils les remplissent, s'ils mettent les couleurs à plat. Et après, il y aura tout le travail de finition qui va bien prendre, je pense, une partie de l'après-midi pour faire ressortir tout ça. Ouais, c'est fini, c'est bon. C'est ça. Alors, pour construire, c'est à peu près toujours pareil, on travaille l'esquisse. Mais après, on va dire, c'est plus de l'ordre de la psychorigidité du peintre à aboutir à son trait comme lui, il sait le construire. Donc là, on ne peut pas venir et retravailler son trait, c'est chaque personne qui va travailler. Au final, ça va faire 7 rendus différents sur des thèmes à peu près associés, que ce soit sur le portrait ou les paysages, ou les repos en couleur urbaine. Sa bière, là. C'est pas mal, en 1970. Bosse bien les mecs. Et là j'ai fait pareil, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Et comme ça, quand je veux bien savoir ce que je dois dessiner, hop, je choisis juste une case, par exemple, je veux juste celle-là. Et je sais que par exemple cette case-là, c'est ça. Tu vois? Mais à la fin, comme ça, ce sera bien ressemblant, comme la photo. Là, ça, si t'as envie de t'entraîner et tout, pour faire Gaston, là, c'est déjà bien dessiné. Merci. Je retire mon chapeau. C'est la place de voiture, c'est ça? Oui. Alors... Je retire mon chapeau parce que quand j'ai joué ce qu'ils font, ben, il faut le faire. Non, puis parce que il y en a qui sont toujours, tu sais, plus mariole les uns que les autres. Et il faut le faire. Hein. Vous allez faire quoi là sur celui-là? Ça va être les fables de la fontaine, on va faire des petites scénettes avec les enfants. Sur la scène des fables de la fontaine. Parce que c'est la rouge jaune de la fontaine. Exactement. C'est qui ça, Jean de la Fontaine? Oui, c'est un poète français. Papa ici. Joseph. Et toi tu t'appelles comment? Hein? Zacharia. Zacharia. Lève un peu ta tête. Lève. Lève. Regarde en haut. Là, et tu baisses. Voilà. Je regarde ce que tu fais. Allez, on va jusqu'au bout. Là, il y a un mélange d'aplats d'enfants, donc vraiment avec des traits qui se reconnaissent. On sent vraiment le trait des enfants et puis des traits beaucoup plus réguliers. Là, c'est les adultes qui sont venus un petit peu retravailler ça. C'est original parce que ça fait comme si on tournait des pages sur le mur. Ça. À côté de Schweitzer. C'est bien où on allait passer nos étés, on nous écoute, c'était la mer. Ouais. Bon, on était contents. Hein. Ah bah c'était toujours ça, hein. C'était toujours ça. Ah c'est vrai. Camille Mais je sais même pas comment c'est devenu. C'est gentil. Bah, franchement, moi j'hallucine dans le don qu'ils ont là. Enfin, les gamins, je pense qu'ils sont plus jeunes que nous. Bah, attends. En plus, ce qui est bien, c'est comme les jeunes ils ont participé, ils vont respecter un peu plus le mur noir. Ils vont réfléchir à 10 fois avant d'essayer de le dégrader. C'est clair, parce que ce que j'en parlais tout à l'heure avec les jeunes, ils m'ont dit bah non, même les petits, hein, on va pas les laisser poser. J'ai dit même un pied, etc., faut faire attention pour l'éviter.
quatre qu'ils vont faire, là, comme ils m'ont expliqué, là, c'est vraiment bien. Après, il faut que ça reste comme ça. Ça ouais, je vais essayer. Hein. Primaire, mais c'est raté, je peux de la peinture en fait. 24 points, j'ai la couleur. Tiens, la dimension sociale qui s'est créée autour du mur, de l'aide de chacun des voisins, je peux te prêter mon barbecue, je peux te ramener de l'eau, je ramène de l'eau, des initiatives qui sont faites de la part des habitants. Je les remercie tous déjà, de Gaston à Georgette, à Michel Couteau, à tous les voisins qui sont autour du mur. Et bah, tous les messages que j'ai aussi hein, des uns et des autres, hein, des personnes qui habitent ce quartier, qui disent que voilà, ils sont contents que ça puisse être fait. Maintenant, leur crainte, elle est légitime dans le sens où ils espèrent que ça va rester le plus longtemps possible. C'est surtout ça, que ce soit un bonheur pour eux de à chaque fois de se lever, de voir un mur aussi propre que celui-ci et aussi beau que ça. Quoi. Voilà. Allez, doucement. Vraiment humain en fait qu'il y a là sur la fresque avec les gens du quartier. D'habitude c'est plutôt les gens ils regardent de loin, ils regardent de leur balcon. Et là il y a vraiment une ferveur on va dire humaine quoi. Très simple mais elle est là quoi. Assieds-toi s'il te plaît. Non mais il y a quelqu'un qui m'avait promis qu'il vient voilà. Au spectacle. Bah ouais, c'est la magie, mec. Il m'avait promis, je l'attends. Les yeux et moi l'année prochaine je vais faire des dessins. Je trouve que c'est ressemblant, au début ça ressemblait pas et j'étais pas très contente mais maintenant je suis contente et je trouve que ça me va. Je suis très contente et en plus il me donne des cours. Tu fais un dégradé genre presque linéaire comme ça avec ces trois teintes là, peut-être que juste avec ces deux là ou pour ça là. Quand je sortirai de chez moi je le verrai tous les jours. Je verrai ma montagne et ma mère. Almani, Erwan, Lassana, Mamadou, Roman, Awa, Dylan et Pierre. Awa qui a 11 ans et Mamadou qui a 20 ans. Rino, As, Sofiane, Mathieu, Kalissa, Théo, Michaela, Mehdi. Bilton, Charmac, Chico, 44, Laber, Nazem, Vito et Mousse. Naska, Circa, Diar, Gob, Frey, Tointoin, Joe, Apam et Younes. Merci tout le monde pour ce
projet. Et voilà quoi. Bon, je suis pas très bavard, désolé. Et on a un cadeau pour le maire de la part de tous les habitants. Magnifique. Un grand merci à tous ceux et à toutes celles aussi qui ont participé. Vous avez raison, madame. Je crois qu'il faut faire connaître cette initiative qui est tout à fait exemplaire. Voilà. Faut pas trop rêver en ce qui concerne les chaînes de télévision. Mais en tout cas, on peut déjà, au niveau de la ville et même au-delà de la ville, expliquer ce qui a été fait parce que c'est vrai que c'est vraiment tout à fait exemplaire. Un grand bravo à toutes et à tous. Vu dans quel état d'esprit ce projet a été mené de bout en bout, j'en attendais pas moins de la restitution, c'est-à-dire formidable. Effectivement, le montage restitue parfaitement, en tout cas l'ambiance, l'état d'esprit et la qualité du travail dans lequel s'est déroulé ce projet. Ce que je peux vous dire dès à présent, c'est que sur l'espace jeune, le futur espace jeune, puisque la ville de Dame-Marie va se doter d'un espace jeune, dont les travaux démarreront dès début décembre, avec une superficie importante sur trois niveaux. Et l'idée est de réaliser une fresque sur les trois étages, en tout cas sur les escaliers des parties communes de ce bâtiment Langevin. Donc on aura une nouvelle fois une fresque et on va mettre à contribution des jeunes de la ville de Dame-Marie. Extraordinaire que vous ayez eu cette réflexion, que vous ayez décidé ensemble, sans que ce soit une décision au départ émanant de la municipalité, que ce soit vous qui ayez décidé de réaliser cette fresque pour habiller ce mur qui posait des problèmes. C'est vrai que Gaston, combien de fois n'est-il pas venu me voir pour râler? Aujourd'hui, c'est aussi une belle récompense pour lui, de tout ce que vous avez pu réaliser ensemble. Voilà, donc moi je voudrais vraiment vous féliciter, vous êtes des artistes. Et je suis intimement convaincu qu'à la Marie-Alice, et comme dans toutes les villes, il y a une écrasante majorité de gens, que ce soit leurs âges, et qui ont beaucoup de talent. Je voudrais également vous dire que nous sommes très heureux que vous ayez souhaité, sur cette fresque, rappeler le passé de la ville. Et ça montre à quel point vous êtes attaché à la Marie-Alice, qui est votre ville. Voilà. En tout cas, bravo aussi à toutes celles et tous ceux, Roméo et tous les autres, qui ont participé et qui ont aidé. En retournant à nouveau vers les jeunes, bravo. Hé hey Sofiane, fais ça bien. Imagine-toi que c'est ta chambre. C'est vrai que ça fait partie de ces jeunes qui se sont investis lors du projet. Il faut laisser la chance aux jeunes de pouvoir avoir ces initiatives, de pouvoir monter ces projets-là. Et que voilà, on voit le résultat, ils sont tous là. Si on regarde le DVD en entier, mais ils verront que voilà, les progrès des uns et des autres.